Martin, l'analyse de cette qualification ce soir, 4 buts marqués, mais encore 2 buts encaissés pour le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai, mais l'objectif c'était accompli. Je pense qu'on voulait venir ici et gagner, surtout après la défaite ici. Là, c'était un match de coupe, il faut le remporter. Et le plus important, c'était fait. Comment expliquer que ce Paris Saint-Germain prend beaucoup de buts en ce moment, vous qui êtes défenseur central? On a une équipe très offensive sur le terrain aujourd'hui. C'est normal, on sait pourquoi on a pris le but. Et on va gérer ça pour les prochains matchs. Et je pense voilà, c'était vraiment sur les détails qu'on a pris le but et je pense qu'on va améliorer ça. Il va falloir faire attention qu'on des adversaires qui auront plus le ballon que cette équipe strasbourgeoise avec peut-être plus de talent aussi. Il va falloir faire attention dans les prochains matchs, non? Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est des matchs. Match de foot, ça se joue à détail. Et je pense que pour les confronts vraiment des Champions League de haut niveau, il faut qu'on fasse très attention. Si on rate des petites choses, des positionnements et voilà, des pertes de balles un peu qu'on ne doit pas perdre, je pense que là ça va faire mal. Vous allez à Amiens en quart de finale, c'est un bon tirage. On sait qu'il n'y a plus de petites équipes, mais il reste des grandes équipes. C'est un bon tirage, Amiens? Et je pense que c'est voilà, on sait que c'est une équipe qui va nous mettre qui va essayer de nous mettre en difficulté, il va essayer de remporter ce match. Comme ici à Strasbourg, on va trouver une équipe très courageuse qui vont faire son match de l'année pour remporter contre nous. Et si on fait la même chose qu'on a fait ici, si on est bien concentré, si on veut vraiment gagner comme on a voulu aujourd'hui, on va y arriver. Vous avez des nouvelles de Neymar? On a essayé de pas trop parler avec lui en ce moment. On sait qu'il avait des choses à régler. J'ai vu des nouvelles qu'il est arrivé à la capitale. Voilà, on va voir comment il va être demain.